Salut à tous, c'est Adrien Denier. Aujourd'hui, jeudi 24 novembre 2016, comme tous les jeudis, c'est le jeudi de congé. Et voilà, les courses sont faites, donc petite vidéo. Ouais, en mode je raconte ma vie. Et on va faire le test d'une distribution Linux que je ne connaissais pas jusqu'à tomber dessus, tellement elle est assez improbable. Et je ne pensais même pas qu'une distribution Linux de ce type pourrait exister. Elle n'est même pas recensée dans DistroWatch. C'est la JBL. Ouais, je vous donne quand même que l'acronyme, parce que si je vous dis ce que veut dire JBL, vous allez dire « Non, mais quand même pas ». Eh ben si, faut faire durer la vidéo. Donc la JBL en version 1.0 est sortie. Ouais. J'ai juste vu des captures d'écran sur Internet. C'est la première fois avec vous que je lance la distribution Linux. C'est parti. Je m'attends vraiment au pire. Et paf, voilà. Vous voyez ce magnifique boot? Vous reconnaissez cette personne? Non? Bon, attendez. Je démarre la distribution. Ah oui, non mais, il y a des mecs, ils sont cinglés quand même. Hein. Faire une distribution Linux comme ça. Alors peut-être que les plus grands fans ou ceux qui ont déjà vu cette personne connaissent son nom. Allez, petit indice, JBL. JB, Justin Bieber. Et L comme Linux. Non, non, attendez là. Non, non. Vous avez bien lu, vous avez bien lu. Alors, juste, je vais mettre un peu plus gros, histoire que vous voyez un peu le bazar, voilà. Ah bah, c'est là que j'aurais peut-être pu modifier. Non, on n'a pas trop l'embarras du choix. Donc, voilà, JBL comme Justin Bieber Linux. Oui, il y a des mecs, ils ont osé. Donc, on va quand même prendre au minimum un peu de français. Ça peut être pas mal. On va sélectionner le mode Europe Paris. Ah non, il y a des gens, ils sont cinglés. Hein. Azerty France, let's go. Voilà, français. Donc là, on peut taper les touches pour tester. Magnifique. Donc pour le moment, je ne sais pas sur quoi c'est basé, cette distribution Linux. J'ai cru reconnaître le logo de Puppy Linux. Donc, no. On va voir comment on peut installer ce truc-là, si c'est possible d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a 5 environnements de bureau. Donc, quel est l'environnement de bureau? On n'en sait rien. Vu la tronche, on dirait plutôt OpenBox, là, vous voyez. Donc, c'est plus le gestionnaire de fenêtres. Et donc, je ne sais pas comment ça s'installe. Voilà, je ne sais même pas sur quoi c'est basé. Donc, voilà. Unem-A, enfin, tiré A. C'est un kernel 2.6. Ça rajeunit pas, donc ça se trouve la distribution Linux a existé, mais n'existe plus maintenant. Mais bon, je voulais vous la présenter, c'est tellement drôle. LSB release, non, on n'a pas. Alors 4 etc issue. Voilà, donc c'est basé sur Puppy Linux, donc je ne sais pas comment s'installe Puppy Linux. Là, on va avoir juste l'aide de bash. Non, honnêtement, je sais pas comment il s'installe. Je vais pas vraiment regarder sur le site hein, parce que ça m'intéressait pas. Merde, je peux pas aller jusqu'en bas là. Donc, entrée, intégration de la souris, on va le virer. Voilà. Donc ici, ben, on a la gestion du firewall. Cool. Bon, on n'a pas grand chose. Donc la Justin Bieber Linux, en fait, vous la trouvez. On va aller avec le web browser. Donc il doit être une version extraordinaire de Firefox, oh, ça a même l'air même de Midori. Voilà. Donc JBL, Justin Bieber, voilà, donc ça s'écrit comme ça, Linux. Et donc le site, bon, voilà, Debian. Voilà, donc ça c'est la Justin Bieber Linux. Cool. Mais sur le site, on peut juste télécharger. On n'a pas d'instruction pour l'installer. Décidément, si j'éternue tout le temps quand je fais des vidéos, ça va le faire. Voilà, donc là, Justin Bieber Linux, le truc qui sert strictement à rien, parce que là, on voit que le mec, visiblement, il l'a installé. Hein. Je ne sais pas comment il a fait. Voilà. Donc la vidéo, elle était très rapide, hein, je vous l'avais dit, mais... Je voulais en parler tellement on a des distributions Linux loufoques. Et enfin, je veux dire,
Ah ouais, on peut sauvegarder là la session une fois que. Ah, ça s'utilise peut-être que en live alors. Ouais. Bon, voilà, enfin bref. Là, Justin Bieber Linux JBL. Voilà. Vous connaissiez pas? Moi non plus, je connaissais pas. 5 minutes, c'est même un peu trop de temps consacré pour une distribution Linux digne de ce nom. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Si vous connaissiez pas, vous avez connu. Ça vaut même peut-être pas le coup que je fasse un article sur linuxtricks.fr. Sur ce, moi je vais manger une clémentine, hein, histoire de prendre un peu de vitamine C vu ce que j'ai vu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!